Salut les gens, c'est EBMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de The Surge 2 sur, eh bien, on est sur PlayStation 4 Pro. Il fait suite au premier The Surge, qui est aussi, qui était un très bon jeu. C'est un Souls-like, c'est un petit peu avec des combats dans le style, de Dark Souls. Il vient de sortir, il est dispo un petit peu partout et on va pouvoir le débuter. J'avais pas eu le temps de terminer le 1 parce qu'on m'a conseillé le 1 il y a pas si longtemps que ça et malheureusement je l'ai pas terminé. Apparemment, les événements se situent après le 1 mais sont indépendants aussi du 1, donc vous pouvez le faire si vous n'avez pas fait le 1. Oui, j'accepte ça, aucun problème. La petite particularité du jeu, c'est que les combats qui sont assez difficiles dans la façon dont vous allez les appréhender, ont cette particularité que vous allez pouvoir découper les membres des ennemis et récupérer leurs prothèses et leurs armes. Bon, on va se checker le début déjà. On va voir un petit peu comment ça se passe. J'avais adoré le gameplay du 1, mais c'était un peu redondant à la fin. Je crois que ça c'est la fin du 1, si je n'ai pas dit de bêtises. La petite voix. La petite voix super calme. Préparez-vous à l'impact. Attention. Bon alors. Surge. Ok. Hop. Et c'est super sympa, parce qu'en fait vous repérez des ennemis. Par exemple, t'as un ennemi qui a une espèce de grosse lance, bah tu vas aller le taper et tu vas pouvoir sélectionner avec ton joystick l'endroit du bras où il a sa lance pour que justement dans le dernier coup que tu vas lui porter, ça lui découpe son bras et tu puisses récupérer son arme ou sa prothèse. Et c'est ultra stylé. C'est vraiment ce que j'avais beaucoup apprécié dans le gameplay du premier et c'est pour ça que j'avais vraiment hâte de voir dans le deuxième. Bon, déjà, il y a une personnalisation du perso, ça c'est cool. Technicien, vétéran de guerre minière. Ok. Ancien contrebandier d'armes. Non, je l'aime bien, lui. Lui, je l'aime bien. Génération aléatoire. Non. Alors. Alors, comment je fais pour sélectionner... changer de catégorie suivante. Les cheveux. Alors. Oh, pas mal de personnalisation, quand même. Ouais. Alors, pilosité faciale. Ça, c'est bien. Attends, ça, c'est bien. Ça, je préfère ça. Ça, c'est quand même plus intéressant. Peau. Alors, âge. En fait, ça tire tous les traits vers le bas, quoi. Ça va être comme ça, couleur de la peau. On va laisser comme ça, forme du visage. Ouais, forme du menton. Ça, ok, les yeux. C'est très bien. Couleur des iris. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est bien. Les sourcils. Ça, le nez. Ok. Ok, on s'en fiche. Et la tenue. Ah, on peut sélectionner sa tenue du coup. Comment prendre ça? Ok, confirmé. C'est parti. Très très bien. Très très bien. 2 mois plus tard. On a fait à l'éditeur de personnages assez rapide, mais comme ça au moins. Our new patient has been in a semi-delirious state for weeks. The subject seems to be reliving traumatic memories of Flight 221. Bah, il s'est crashé, donc bon. Some sort of anomaly. It's not over. But this can't be true. There was only one survivor in the crash. Alors, regardez alentours, vue inversée. Non, on va laisser comme ça.
Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ramasser carte d'accès, très bien. Personnel médical. Ok, allez. Interagir, carte d'accès. Ah oui, c'est passé des petites bricoles ici. Activer le verrouillage de la cible avec R3. Bloquer les attaques avec L1. Oui, c'est pareil. Ok, ok, c'est bloqué. Ok, ça dégage. Très bien. Alors, ramasser, jouer enregistrement audio. Jouer. Se soigner. C'est stylé avec comme ça. Oh punaise, il est revenu. Allez, dégage. Normalement, les... ça, c'est les attaques puissantes avec R2. On est sur PlayStation 4 Pro. Exactement. Ouh là là, c'est méchou là, c'est vilain ça. Très bien. Check quand même s'il n'y a pas des petites choses à récup. Alors, on va faire attention. Tiens. Oh punaise, je l'ai pas bloqué. J'aurais dû bloquer. Je pensais que ça allait passer. Allez hop. Ok, je l'ai eu. C'est bon, je l'ai eu. Ok. Putain, c'est hyper clean avec les effets environnementaux comme ça. Et le 1 était déjà très joli et très bien optimisé, mais alors celui-là est vraiment... c'est très joli aussi. Tiens, regarde. Ok, ça dégage. Ok. Bah, soigne-toi. Parfait. Ok, il est là. Allez, hop. Ouh, punaise, je l'ai pas vu lui. Allez, punaise. Oh punaise. Ouh, il a une grosse arme dans les mains lui en plus. Allez, donne-la moi. Oh putain, je suis en train de brûler. Je suis en train de brûler. Je peux pas ramasser en plus. Putain, je suis en train de cramer. Ouais, faire attention du coup à ça. Seule la force brute pourrait l'ouvrir. Ok. Pour voir la santé des ennemis, il faut une amélioration particulière en fait. Et en fait, votre personnage va avoir des membres en fait modifiés. Quand on reste, c'était comme ça dans le premier. Et grâce à une des améliorations qu'on va acquérir, on va pouvoir voir la vie des ennemis. Parce que là, en fait, on est dans un monde normal. C'est-à-dire que c'est le monde comme toi et moi. Donc tu peux pas voir la vie des ennemis. Enfin, la vie des gens. Et après, tu pourras après. Ok, on a ouvert la porte qui est là-bas. On va se soigner. Et alors il y a plein de zones où aller. Donc là on a ouvert la porte qui est là-bas. Il y a peut-être quelque chose à récupérer là-bas d'abord. On va aller voir. Je peux pas t'ouvrir pour l'instant, je crois. Ouais, j'ai pas la force nécessaire pour lui ouvrir pour l'instant. Donc ça c'était le passage de tout à l'heure. Porte coincée, vous êtes trop faible. Donc on va avancer, on va voir. Est-ce que ça serait pas le... J'ai pas ouvert ça, donc j'ai ouvert une porte là-bas, on va aller voir. En tout cas, c'est très clean. Hein. Par rapport à ça... Oula. Ah bah voilà, c'est ça qu'on va pouvoir récupérer. Ok, bon, allez. D'abord, tu vois, avec le joystick droit, vous pouvez sélectionner soit attaquer le corps, là c'est protégé parce qu'il a une armure, soit la tête, et c'est ce qu'on va faire pour pouvoir eh bien l'atteindre. Oh, punaise. Attends, par contre... Ouf. Ouais, je me suis fait défoncer la tronche. Ok. Je me suis fait défoncer la tronche. Aucune fonction vitale, tu m'étonnes. Mais c'est pas grave, on y retourne. C'est un jeu où vous allez beaucoup mourir, je précise, parce que les combats sont ultra difficiles en général. Et salut à Will, qui vient de s'abonner sur la chaîne. Allez, vas-y. Punaise, sérieusement? Et en fait, vous avez des pièces d'équipement, alors vous allez reconnaître le principe des Souls. Regardez, en bas de l'écran à droite, j'ai mon nombre de pièces d'équipement que je récupère sur les ennemis que je bute. Et en haut à gauche, vous avez un petit timer.
qui, à chaque fois que vous butez un ennemi, eh bien, va augmenter. Donc en fait, là, j'ai 2 minutes 26 pour aller récupérer mes pièces d'équipement. Si je bute des ennemis, si ça n'a pas changé par rapport au 1, ce timer, il augmente. Vous voyez, elle s'est passée à 2,40. Pour pouvoir me laisser plus de temps pour aller récupérer mes pièces d'équipement. C'est un petit peu comme les âmes de Dark Souls, si vous voulez. Et en fait, je vais du coup aller les chercher. Et une fois que je les ai récupérées, je vais pouvoir les utiliser pour améliorer mon personnage après. Mais là, il va falloir que j'aille les chercher. Voilà. Donc c'est assez intéressant, ce principe. Qui est à la fois inspiré... Tiens, j'aurais pu... Là, je peux sélectionner son bras droit, par exemple, ou son bras gauche. Donc là, bon, il a rien sur lui. Mais, par exemple, là, lui, le mec est là-haut, là. Vous voyez, avec son espèce de d'arme, je vais pouvoir récupérer son membre. Tu vois, bras droit, c'est là où il a son arme. Donc, je vais l'attaquer comme ça, et je vais essayer de récupérer son... Je sais pas si je peux, là. Pas encore. Je peux pas encore récupérer ça pour l'instant dans le jeu. Ok, là j'ai 3 minutes 30 pour aller le chercher, donc on a un peu de temps. Et ça c'est plutôt cool. Alors attends, c'était où? Où est-ce qu'on a perdu nos équipements? Tu vois là, 33 mètres, 30 mètres, c'était ici, exact. C'était ici. On va récupérer de la vie. Parce que le gros monsieur, voilà. On récupère ça. Ok, allez. Par contre, je peux pas esquiver encore pour l'instant. Pour l'instant, je peux pas encore faire mes esquives. Donc on va faire attention. On va attendre ces patterns. Alors tu vois, 1. Hop là, on va esquiver. 2. Hop, c'était 3, il avait une attaque en... Il avait une attaque en roulis derrière. Ok, on prend notre temps. 1, 2, il attaque en roulis. C'est bon. 1, hop, paf. Ok, c'est bon, on l'a eu. Parfait. Vraiment gérer la pattern des ennemis. Carte d'accès trouvée. Ok. Interagir. Salut à Océane qui vient de s'abonner aussi. Bienvenue. Tiens, regarde. Interagir. Et le voilà. Alors dans le 1, il te plantait des trucs dans la peau et dans les os. C'est atroce. Ah bah c'est pareil. Ça va être pareil. Oh là là, c'était... Oh, t'avais les vis qui rentraient dans les os et tout. Oh là là, c'était sale. Mais c'est nécessaire. Et là, du coup, je peux sélectionner le module. Ok, très bien. Ok, fermé. Alors, module.available. Alors, voyons voir. Santé, endurance, j'ai quoi? Bah, j'en ai zéro, de toute façon. Attends. Ok, attends. Niveau supérieur. Ok, niveau de puissance. 2 points dispo. On va rajouter de l'endurance. Ah, c'est pas ça qu'il faut que je fasse? Attends. Entreposer. On va entreposer les pièces d'équipement. Ah, je suis un peu perdu dans le la façon dont ça a été... Ok, c'est bon. On a notre exosquelette. Ils ont changé l'interface dans ces menus-là. Et là, avec l'infrastructure de l'exosquelette, on va pouvoir ouvrir les portes. Tiens, regarde lui. Alors là, par exemple, lui, regarde, bras droit, bras gauche. Attends, pour esquiver, c'est quoi déjà? Ouais, c'est croix, super. C'est le bras gauche. Allez. Parfait. Allez, et là, on va pouvoir ouvrir. Et là, ça va être plus intéressant. Allez. Et moi, j'avais adoré le 1 parce qu'il était justement pas évident à jouer. Et c'est ça qui est ultra intéressant. Allez, bouffe ça. Et là, regarde, hop, le finish. Et paf. Bon, je vais couper le mauvais bras, par contre. Je vais couper le mauvais bras. Donc je récupère juste ça. Ah si, je l'ai chopé. Regarde, comparer, équiper. Paf. Super, on va le garder avec nous. Ouais, vas-y, viens. Allez, viens là. C'est quoi ça, le rond? Parce que, ah, on a des choix multiples. D'accord. C'est bien Sébastien qui vient de s'abonner sur la chaîne YouTube. D'accord, donc on a des choix multiples aussi, là-dessus. Très bien, voilà. Alors, il faut savoir aussi que les ennemis repop. C'est exactement comme dans Dark Souls avec les feux de camp. Lorsque vous allez dans un module d'amélioration, les ennemis repop. Ah, okay, c'était... Ah oui, d'accord, on a les patterns.
Allez, allez. Ah, merci. Ok, ça c'était des trucs de soins. Ouais, je suis pas ultra fan de cette arme. Hein. Elle fait beaucoup de dégâts, mais elle est très lente. Hein. Elle est très très lente. On va essayer de trouver une meilleure arme sur un autre ennemi. On va faire ça. Allez, viens là. Dépenser les batteries chargées en combat pour magasiner les charges de soins en appuyant sur 1 quand on va sauter au maximum. D'accord, là j'en ai deux, tout à fait. On ramasse ça, jouer. Ok. Bah, cette arme elle est ultra lourde. Hein. Donc, c'est pas le plus intéressant pour nous là. Alors, ok, ouais. Alors ça c'est là, alors lui on a là, tiens regarde. Ouais bah il est quand même beaucoup plus, la vitesse d'attaque 100%, 80%, là 135, 95. Donc ouais c'est pas énorme, après on pourra se faire des casques et tout et plein de choses. Pareil pour les implants, c'est des améliorations que vous pouvez mettre sur votre personnage. Là pour l'instant ces deux là ça va se débloquer plus tard, on en a pas suffisamment. Ça c'est le journal de quête, ok. Ah ils ont bien refait l'inventaire, c'est assez joli hein. J'aime bien ce qu'ils en ont fait. Je peux passer par là ou pas? Est-ce qu'il y avait des choses à récupérer qu'on n'aurait pas pu faire avant? Non. Bon, on est parti pour une grosse découverte parce que j'avais passé des heures et des heures sur le premier. Et on va passer sur une grosse découverte. Je pense que ce jeu mérite une grosse vidéo pour montrer tout un tas de choses de gameplay. Hein. Il y en a qui n'aiment pas quand on dit gameplay, il dit gameplay. Ah, je dis gameplay. Alors, dites ce que vous voulez. Moi je dis gameplay, voilà. Allez, hein. Il y a un ennemi en face. Vous le voyez en face, au bout du couloir, mais il est un peu plus gros celui-là. Ouais, et à mon avis, d'accord. Okay. Nouvel implant obtenu, équipé. Ok, analyser la parade directionnelle. Équipé dans l'inventaire, ok. Allez, vas-y. Et lui, il a quoi sur lui? On va lui couper son bras aussi. Regarde. Paf! Il est au niveau 1. Allez, hop là, regarde ça. Regarde-moi cette beauté. Allez, dégage. Allez, viens là. L'alliage, il est pour WAM. Preuve concernant les preuves. Je peux récupérer ça? Non. Bon là on est dans un environnement intérieur pardon, ça sera pas comme ça tout le long du jeu je vous rassure. Attends par contre, ton arme elle m'intéresse. Vas-y, chope ton arme, vas-y. Coupe lui. Paf. Où est-ce qu'elle est ton arme, c'est ça? Alors on va y voir, arme, alors comparer. Ouais mais ça m'intéresse peut-être un peu plus en fait. Vas-y. Ouais c'est plus intéressant en plus, c'est une espèce de lance. C'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal ça. Faire attention. Ok, alors lui par contre il est pas commode. Allez vas-y. Ah oui d'accord. Alors, on fait. Oh là là, waouh, elle est trop bien cette arme. Mais elle est terrible. Tranchez les mains que vous savez, je sais. Ah ouais. Ah par contre en termes de rapidité. C'est de la folie. Il y a le mec en bas là. Attends. On check un peu. Il va être derrière. Attends. Vas-y, ouvre ici. On va récupérer ça. Il y a plein de petites choses cachées aussi. Parce qu'après, dans votre inventaire. Attends, c'était où? C'est pas dans les implants. Où est-ce que c'est les petites choses qu'on peut. Ah, voilà, c'est ça aussi. C'est les différentes configurations. C'est cool ça, les différentes configurations. Où est-ce que c'est les petites choses? Voilà, inventaire ici. Là, ce genre de choses, en fait, vous pouvez les prendre. Là, ça va me donner des pièces métalliques en plus. Par contre, ça vous risque des périls. C'est-à-dire que si vous les utilisez maintenant, c'est un petit peu comme les petites potions d'âme dans Dark Souls. Donc, les potions d'âme, vous récupériez des âmes qui vous donnaient 100 âmes, etc. Et si vous les utilisiez, ça vous donnait tout de suite plus de choses et plus de points pour aller les dépenser. Le problème, c'est que si vous les perdez, vous en perdez aussi beaucoup plus. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, faut faire très attention.
d'accord, ok. On va passer par ici. Il y a un passage à droite et à gauche. Ah d'accord, il faut que je fasse ça. Maintenez pour sprinter. Ok, vas-y, go. Ok. Putain, la musique est bonne aussi. Nouvel implant. Chargeur d'injectable automatique. Vas-y, on va l'équiper. Ah oui, ici. Oula, je laisse en mauvais. Ouais. Ouf. Ouh, yaï yaï. Oula, alors lui, il me fait un peu peur, lui. Oh, purée. Ok, donc il a un gros truc, bras droit. Ça sert à rien d'attaquer ce bras-là, ça sert à rien. Oh, le premier petit boss, là. Attends, esquive. Oh, il y a son mec derrière. Attends, esquive. Attends, vas-y, prends une jauge de soin. Ok, c'est bon. Esquive, ok, c'est bon. Oh, la musique. Alors, bah, je sais pas si c'est la bonne chose d'avoir pris cette arme-là. La musique est tellement bonne. Esquive. Oh, punaise, j'avais plus d'endurance. Vas-y, c'est pas grave, on utilise le soin tout de suite. Le soin est amusant, il remonte assez particulièrement. Oh, punaise. On s'est fait cramer le cul. Ah, punaise. Ouais, j'aurais peut-être pas dû choisir cette arme-là. Attends, bouge pas. On va passer dans l'autre configuration. Ah, bah attends, j'ai autre chose. On va reprendre ça. Vas-y, ça va peut-être être mieux pour nous. Ouais. Ah ouais, si, il fallait prendre cette arme-là, parce que sinon on aurait galéré de ouf. Ok. Oh, punaise. On a plus de vie. Pourquoi je me suis... Oh punaise, j'ai plus de vie. Esquive. Ok. Ouais, il y a un aspect RPG, ouais. Vas-y. Non ! Punaise, je pouvais l'achever en plus ! Ah, il m'a pris de vitesse. C'est un Souls-like RPG, ouais. Il m'a pris de vitesse. J'aurais pu le défoncer à la fin. Ah, c'est dommage parce que du coup, j'ai perdu mes petits. Il faut que j'y retourne et c'est où je le retrouve. Bon, il faut pas que je le perde cette fois. Parce que là, si je perds tous les éléments que j'avais chopés. Putain, j'avais pas ouvert ça tout à l'heure. Vas-y, ramasse ça. On file. Ah tiens, regarde. Équipé. Ah bah voilà, c'est ça qu'on veut. Ça c'est mieux. Ça c'est beaucoup mieux. Excellent. Ok, super. Parfait pour nous. On va aller récupérer ce qu'on a perdu tout à l'heure. Vas-y, et là on rentre dans la salle du boss. Où est-ce que c'était? C'était ici. Vas-y, récupère ça. Super, on a récupéré nos pièces d'équipement. Ok. Ouais, c'est mieux, ça c'est mieux. Parfait. Là, on va pouvoir l'enchaîner, là. Allez, vas-y, viens, mec. Allez, vas-y. Fais attention. On vérifie la jauge d'endurance, évidemment. Ok, on est bon. Ok. Ah, punaise. C'est quoi sur le sol, là? Notez le tag, d'accord. Ah mais d'accord, il y a des gens font des tags aussi. J'ai plus de jauge de soins, j'avais pas vu. Oh, j'aurais dû me soigner. Ah, je vais me faire buter parce que j'ai oublié d'aller chercher le soin. Ah zut. Ah c'est pas grave. De toute façon, je pense que ouais, on va terminer cette découverte après ce premier boss. Ça vous donnera une idée quand même assez précise de ce que propose le jeu. Après, vous avez des environnements extérieurs un peu plus ouverts aussi, hein, bien évidemment. Et ce n'est pas que fixé sur des environnements comme ça. Apparemment, le 2 a aussi des environnements beaucoup plus boisés avec des arbres, avec des... Enfin, vraiment des choses assez intéressantes en termes général. Et tiens, les gens ont fait des tags. C'est énorme. Notez le tag, j'aime. Vas-y, go. On va aller choper du soin. Il y en avait là, à l'entrée. Regarde là. Se soigner. Et on peut pas. Oh là là.
Eh ben écoute, on va y aller comme ça, on va faire attention. On va être obligé de faire attention. Ok. Allez, pour terminer cette vidéo, il faut battre le boss. Et là, on fait très attention à nous. Oh, mais je suis ultra fan de ce, de cette musique. Vas-y, récupère ça. Punaise, c'est bon, j'ai récupéré. Saute! Ok, c'est bon, j'ai esquivé au bon moment. On va attendre qu'il tape, vas-y, go. 2, 3, 4, et on esquive. Ok, on peut y retourner, non, on esquive ça. Ok, maintenant. 1, 2, 3. Ok, la lourde. Ok, super. On va faire ça, on va attendre qu'il arrive. Oh punaise. Vous le sentez, l'influence Dark Souls quand même, hein. Punaise. C'est quand même assez clair. Et c'est totalement assumé par le titre. C'est ça qui est bon. Allez, vas-y, c'est bon. Non, saute. Non. Mec, esquive, t'as plus de vie. J'ai plus de vie du tout. Là, il faut vraiment esquiver. Si on arrive à lui faire une dernière attaque. Allez, vas-y. Là, maintenant, achève-le. Oui, je l'ai eu. Oh, c'est bon, ça. Ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Oh là là. Allez, évasion. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça? Attends, j'ai un peu peur. Parce que du coup, si je peux me sauver... Attends, j'ai un peu peur. Parce que si on meurt là... C'est bizarre, je pense que je peux pas passer là. Non, je peux pas passer, je préfère pas tenter. C'est quoi, je préfère pas tenter, je me dis, on sait jamais. Ah si, je suis obligé. Ah si, je suis obligé. Voyons voir. Ah non, ça me fait rien. Oh là, j'ai eu peur. Ok, c'était rien. J'ai vraiment eu peur. Ok, santé, récupérer. Déployer le drone. Ah, oh, stylé. Ah d'accord, on peut tirer avec notre drone aussi. C'est stylé. Ok. Ah, j'aime beaucoup. Ça apporte un petit truc en plus. Ok, c'est l'élévateur. Et ouais, normalement il se... Et c'est magnétiquement. Ah oui d'accord, il faut le buter avec ça. Stylé. Et ouais, normalement notre personnage s'accrochait avec son bras pour pouvoir passer dans ces trucs là. Et maintenant on a vraiment des choses différentes. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour la découverte. Je pense que ça suffira amplement pour la grosse vidéo. Ah, c'est hyper stylé, j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus souple dans les déplacements. Le premier était très agréable, mais le personnage était un petit peu lourd. Et là, enfin en tout cas, du personnage que j'avais choisi, puisque vous aviez différents archétypes dispo, là c'est vrai que je le sens beaucoup plus souple, ouais, c'est vraiment super agréable. Et ils ont vraiment ajouté des petites touches très modernes à l'affichage et au hub central du jeu. Donc c'est vraiment très sympa. Ce petit Souls-like va s'annoncer vraiment super et je vais le continuer aussi de mon côté. Je pense qu'on refera une vidéo ou un live plus tard quand j'aurai bien avancé. Mais là, vraiment très satisfait de l'évolution du titre. On va voir un peu. Oh, regarde-moi ça. Ah ouais. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour la découverte de The Surge 2. J'espère que vous avez kiffé cette petite découverte. Si c'est le cas, le gros pouce en l'air, mais également l'abonnement à la chaîne. Et moi, je vous dis à très très vite sur la chaîne ou pas, sans toucher encore internet, ton écran de décider. Salut, salut. Hey, hey,